Tu souhaites dominer les autres, tu souhaites les empêcher d'évoluer. Voilà ce que ça résonne. Derrière simplement l'énervement qui survient lorsque une personne copie tes comportements ou ta façon de t'habiller, c'est parce que derrière, tu veux être la seule qui en vaille la peine. Qu'est-ce que ça cache? Cette jalousie. Cette jalousie cache un modèle manquant, précisément. Ah, d'accord. Je vais aller au plus simple. Tu n'acceptes pas d'être un modèle pour l'autre, pour des personnes qui te copieraient. Tu n'acceptes pas la reconnaissance qu'ils ont envers toi de leur montrer le chemin. Tu n'acceptes pas d'être la proue du bateau, celle qui montre la voie. Ou même, je dirais plus, je dirais plus que tu n'acceptes pas d'être la boussole qui guide le bateau en lui-même. Donc on en revient sur tes propres qualités. Tu voudrais restreindre les autres pour ne pas voir tes propres qualités. Donc en fait, en agissant, en étant énervé par ce qui se passe à l'extérieur, tu te restreins à l'intérieur. Tu t'empêches d'être douce envers toi-même. Tu te refuses à ce repos qui est le tien. Tu t'empêches d'aller contacter cette tristesse que je sens. Et en même temps, pourquoi tu ne joues pas la scène? Je ne sais pas si tu joues la scène, donc je te pose la question. Est-ce que tu acceptes cette jalousie telle qu'elle est? Est-ce que tu acceptes de jouer la scène de je suis Colline la jalouse lorsque quelqu'un copie mes comportements et copie mes vêtements, ma manière de m'habiller? Je dis ça parce qu'il y a vraiment autre chose derrière qui concernerait peut-être le groupe aussi, j'en sais rien. T'as été habitué au conflit. Voilà ce que ça résonne aussi. C'est un autre angle de vue par rapport à ta problématique. T'as été habitué au conflit. Il te faut du conflit dans ta vie. C'est ta manière de te sentir exister. Alors, c'est pas totalement vrai. C'est pas totalement faux non plus, mais il y a autre chose. Ah, d'accord. T'as peur de disparaître. T'as peur de ne plus être vu. Et ta manière de te montrer, c'est pas de montrer tes qualités, c'est de montrer l'apparence, comportement et vêtements. C'est un peu maladroit ce que je dis, non? Je sais pas. Comment tu me parles d'apaiser cela? Moi, ça me parle de quand est-ce que tu arrêtes de te foutre la gueule du monde et de que tu arrêtes de te foutre de ta gueule surtout. Parce que tu as d'autres qualités que celles-là, ça me dit précisément. T'as du mal à aller voir tes propres qualités. À quel moment est-ce que tu arrêtes ce jeu d'épuisement qui t'épuise du coup, que tu arrêtes ce jeu où tu t'épuises encore et encore à te concentrer sur l'extérieur au lieu d'aller voir ce qui te fait réellement souffrir. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça en fait. T'énerver pour juste, entre guillemets, hein, des vêtements ou des comportements, ça te permet de ne pas aller voir ta véritable douleur qui est liée à ton emprisonnement. Emprisonnement de quoi? C'est lié à l'émotionnel. Ok, et il y a encore quelque chose de plus bas, mais il va falloir expérimenter par toi-même, visiblement, parce que moi, je ne peux pas aller voir l'information comme ça. Et si?
Et si j'envoie ça pour le groupe, de quoi ça me parle? De notre toute puissance. Ah, mais oui, voilà, c'est ça. Notre toute puissance intellectuelle. On est capable, je vais poser ça de manière positive, ce sera beaucoup plus rapide. Je suis en train d'écrire la ressource du groupe. On est capable d'appréhender tous les futurs, tous les possibles maintenant. On a le pouvoir d'en choisir un, de cueillir ce fruit, de cueillir ce fruit, de le manger, de l'intégrer, de l'ingérer, de le digérer, de le faire ressortir et de se nourrir et donc de ressortir grandi et transformé à partir de cette expérience. On peut choisir de manière arbitraire tout ce que l'on veut. C'est notre choix, c'est notre liberté. J'ai tout dit. C'est vraiment à vous d'y aller. C'est vraiment à nous d'y aller. Choisissez quelque chose qui vous fait vibrer, que ce soit positif ou négatif. Même si je conçois que vibrer quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose de forcément agréable. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas inutile à vivre. Et une fois que vous vibrez cette chose, allez-y dans le personnage. Créez quelque chose. Et ensuite, une fois que vous vous êtes nourri de cette vibration, lâchez-la et repassez à la suivante. Merci beaucoup pour ta question, Colline. Thank you.